les sciences, c'est la vie quotidienne. La santé, le réchauffement climatique. C'est de la découverte à l'infini. En science, le plus important, c'est la question. La science unit, la science rapproche. Les sciences, c'est fait pour tous. Tout le monde peut y trouver quelque chose. La science en région Centre-Val de Loire, c'est plus de 600 événements organisés chaque année autour de la culture scientifique et plus de 1000 chercheurs, enseignants et médiateurs. Dans le réseau d'acteurs, on a des médiateurs, évidemment, ils sont au cœur du réseau. Leur job au quotidien, c'est d'être en relation avec les publics, dans des actions de médiation avec des formes très variées. Ça peut être de l'expo, de l'escape game, un stand à la fête de la science. Le rôle du médiateur scientifique, c'est de faire aimer les sciences, de stimuler la curiosité pour les sciences et techniques. De façon agréable, ludique, attractive. Dans la stratégie de la culture scientifique que la région a écrite, il y a un point, c'est la science pour tous. Sur les publics éloignés. C'est les publics éloignés géographiquement parce qu'eux, ils sont dans le milieu rural et que les événements, c'est plutôt dans les villes. Mais c'est aussi les publics éloignés de la science de par leur culture, parce qu'ils pensent que ça n'a aucun intérêt ou que ce n'est pas pour eux. À Orléans, 150 acteurs de la culture scientifique sont venus partager leurs connaissances et surtout leurs expériences, une journée de débat et 8 ateliers pour une science accessible à tous. Moi, je suis venu notamment pour essayer de trouver des clés pour attirer des publics sur les thématiques. Pour nous, par exemple, la protection de la nature. On les a interpellés autour d'un sujet, c'est les publics éloignés. Comment on fait pour aller encore plus loin, toucher plus de monde? On organise ces rencontres dans toutes les zones du département. On peut avoir sur site 350 élèves. C'est très porteur et ça permet vraiment de diffuser la culture scientifique. Le public ado, c'est difficile de le sensibiliser, c'est plus un rapport complexé au savoir. Donc on essaye de travailler sur la confiance en fait, dans sa capacité d'apprendre et de découvrir. Ça fonctionne plutôt bien. Donc là, il s'agit de faire circuler une exposition interactive avec des expériences, des manipulations où le public est acteur de sa découverte dans des salles des fêtes. 80 sites par an en moyenne, 30 000 personnes accueillies chaque année. L'immersion permet de voir la science et de découvrir, c'est très important, la diversité des métiers autour de la science parce que les chercheurs interviennent mais aussi des techniciens. L'objectif bien évidemment c'est de voir à long terme si ça suscite des enseignements plus portés sur les sciences. Nous, la culture scientifique, le principe c'est de la faire connaître. Pour ça, on fait une exposition scientifique qu'on anime après avec des ateliers. On a le hall d'exposition qui est au rez-de-chaussée. C'est par là que tout le monde doit entrer, même ceux qui n'ont pas prévu de voir une exposition finalement se retrouvent à consommer de la culture. Ces temps d'échange sont importants de façon à pouvoir créer du lien, de nouveaux projets et de nouvelles envies. Développer un maillage au niveau de la collectivité, du lieu où on est, c'est très important, ça permet de toucher plein de publics différents par des biais différents. On sort d'une journée comme celle-là boostée hein, pour continuer à essayer de répondre à la demande des publics. Donc c'est une motivation supplémentaire de participer à ces forums. On a besoin de faire du lien entre le monde de la recherche, le monde de la culture et puis l'éducation nationale bien évidemment. La science, le dialogue, la compréhension de la science, c'est une clé de la citoyenneté et c'est indispensable aujourd'hui.